Bonjour, je m'appelle Pauline, je suis la présidente et la fondatrice de l'association AB Conservation. Bonjour, je m'appelle Agathe, je suis la coprésidente et la responsable scientifique d'AB Conservation. L'association a été créée en 2014 dans le but d'étudier et de protéger une espèce endémique de l'Asie du Sud-Est, le binturong. Dès le début en fait, de l'aventure, on a reçu le soutien de parcs zoologiques français dans notre objectif de sensibilisation du grand public pour faire connaître cette espèce. Et en 2016, l'aventure est allée plus loin lorsqu'on a décidé en fait, de partir directement sur l'île de Palawan pour monter un programme scientifique pour vraiment étudier le binturong, pour mieux le comprendre et ainsi mieux le protéger. Et c'est donc en 2016 qu'on a reçu le soutien des premiers parcs zoologiques français, un soutien cette fois-ci financier. Ces premiers soutiens financiers nous ont permis d'acquérir du matériel scientifique qui était essentiel pour étudier le binturong aux Philippines. Donc des pièges photographiques dans un premier temps qu'on a installés en forêt à Palawan dès janvier-février 2017 et qui sont encore aujourd'hui utilisés. Puis un collier pour pouvoir faire du radio-tracking, c'est-à-dire du suivi d'individus dans la forêt. Et ça a fait déjà 3 ans que la FDPZ, donc l'Association Française des Parcs Zoologiques, nous soutient. Et cela nous a permis d'aller un petit peu plus loin dans notre programme de recherche en embauchant des salariés philippins à plein temps sur le programme. En plus de l'embauche de philippins dans le programme, des philippins qui travaillent maintenant à plein temps en fait sur le programme, on a développé notamment aussi un nouveau programme qui s'accorde en fait avec le programme scientifique. C'est un programme de sensibilisation à des populations locales et un nouveau partenariat en fait qui s'est développé avec le seul centre de soins de la faune sauvage, ce qui nous permettra peut-être à l'avenir de pouvoir en fait les aider d'une part dans la rénovation de ce centre et notamment en fait de pouvoir réhabiliter certains individus à la vie sauvage. Pour nous, il est donc très important aujourd'hui de dire merci à toutes ces personnes et toutes ces institutions qui nous ont soutenus dans ce projet qui paraissait complètement fou au départ et qui aujourd'hui s'implante de mieux en mieux et de plus en plus durablement à Palawan. Donc merci à tous les parcs zoologiques et merci à la FDPZ.